La presse féminine reste encore un énorme marché au Japon, qui a toujours été très fort et le reste, mais avec des particularités très fortes comme notamment la segmentation. Il y a énormément de médias qui sont très pointus, que ce soit sur la partie print ou aussi sur la partie digitale.